Eh ben bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est super et c'est bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 28 juillet et aujourd'hui c'est le Grand Prix de Belgique. Et comme vous avez pu voir au titre de la vidéo, dans cette vidéo je vais vous parler de l'histoire du Grand Prix de Belgique. Donc sans plus attendre, commençons tout de suite la vidéo. Donc le premier Grand Prix national belge ou Coupe du Roi des Belges se dispute les 20 et 21 juillet 1912 sur 2 jours en formule libre, en totalisant près de 1160 km en 17h et 30 minutes de course. Il est organisé par le Royal Automobile Club de Belgique, donc la RACB, créé en 1898, qui récidive en 1913 en août et en 1922 en sport. Spa-Francorchamps est utilisé pour la première fois en 1921 et intégré en championnat du monde de Formule 1 dès sa création en 1950 et jusqu'en 1970, à l'exception de 3 années. Les champions du monde Giuseppe Farina, Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio, Jack Brabham, Graham Hill et John Surtees y ont tous remporté des victoires. Le pilote le plus à l'aise sur ce circuit fut Jim Clark, qui remporta 4 victoires de 1962 à 1965, alors qu'il disait détester cette piste. La piste est réputée dangereuse et en 1960, Alan Stacey et Chris Bristow y trouve la mort dans des accidents séparés. En 1970, il devient clair que la vitesse excessive atteinte sur le circuit augmente les risques d'accident. Pedro Rodriguez atteint la vitesse moyenne de 240 km/h et le déplacement du Grand Prix sur un autre circuit est décidé. Nivelles, près de Bruxelles, accueille la course en 1972 et en 1974 avant de tomber dans l'oubli. En 1973, la course a lieu à Zolder, dans la partie flamande au nord de Liège. Si ce circuit n'est pas comparable à Spa-Francorchamps, il est préférable à celui de Nivelles. Bien que sa piste se détériore au fil du temps, Zolder accueille le Grand Prix de Belgique de 1975 à 1982. En 1982, Gilles Villeneuve meurt lors d'un accident et dès l'année suivante, le Grand Prix revient à Spa-Francorchamps. En 1983, après une absence de 13 ans, Spa fait son grand retour au championnat. Pour ce faire, la piste a été réduite de 6,97 km et supprimant la section la plus dangereuse est remplacée par une piste construite spécialement qui comporte plusieurs virages, dont le double gauche de Pouhon. En 1992, l'Allemand Michael Schumacher remporte sa première victoire un an seulement après ses débuts sur ce même tracé. En 1994, Schumacher passe en tête sous le drapeau à damier, mais est disqualifié à cause d'un fond plat aux dimensions illicites. En 1998, la pluie tombe abondamment sur le circuit ardennais et provoque au départ un carambolage qui cause la destruction de plus de la moitié des monoplaces, donc 13 sur 22, et conduit à un deuxième départ. Peu après celui-ci, Mika Häkkinen est éliminé au virage de la source et Damon Hill sur Jordan Mangan Honda est en tête. Michael Schumacher réussit à le dépasser mais s'encastre dans la monoplace de David Coulthard en lui prenant un tour. Il remporte le Grand Prix, signant à l'aide de son équipier Ralf Schumacher un doublé historique pour son écurie. En 2000, le GP est marqué par le dépassement de Mika Häkkinen sur Michael Schumacher de la ligne droite, menant au comble à 4 tours du but. Schumacher dépasse le retardataire Ricardo Zonta par la gauche et Häkkinen opte pour la droite. Il parvient ainsi à doubler les 2 monoplaces en une seule accélération à plus de 330 km/h. En 2001, Michael Schumacher, tout juste auréolé de son 4e titre mondial, y remporte la 52e victoire de sa carrière, battant le record du succès au Grand Prix d'Alain Prost.
L'année suivante, devenu quintuple champion du monde, l'Allemand y conquiert non seulement sa 6e victoire sur le circuit, donc un record de victoires pour le Grand Prix de Belgique, mais également son 10e succès de la saison, un nouveau record de victoires lors d'un championnat du monde. En 2003, la course est annulée pour cause de législation anti-tabac. Grâce à un arrangement, le Grand Prix revient en 2004, remporté par Kimi Räikkönen sur McLaren Mercedes devant Michael Schumacher, qui assure son 7e et dernier titre de champion du monde en Formule 1. Le Grand Prix n'est pas inscrit au calendrier 2006, mais au programme du championnat 2007 à la suite de la réalisation de grands travaux d'aménagement au niveau des stands, du virage de la source et de la chicane de la Redbus. En 2007, le Grand Prix change de sponsor. International Nederlanden Group remplace la bière australienne Foster's. Désormais chez Ferrari, Kimi Räikkönen s'impose, permettant à la Scuderia de remporter son 15e titre de champion du monde des constructeurs. En 2008, alors que la pluie se met à tomber en fin de la course, Lewis Hamilton tente de dépasser Kimi Räikkönen à la chicane de Stop-Bus, mais il manque son freinage et coupe le virage. Le Britannique redonne aussitôt la première place au Finlandais avant de le doubler quelques mètres plus loin à l'épingle de la source. Räikkönen part ensuite à la faute avant l'arrêt de bus, tandis que Hamilton franchit la ligne d'arrivée en tête. Mais quelques heures après la course, il est déclassé par la FIA qui juge illicite son dépassement sur Räikkönen, la victoire revenant à Felipe Massa. L'autre grand perdant de cette course est Sébastien Bourdais, 3e à l'entame du dernier tour. Le Français ne termine que 7e, dépassé par plusieurs pilotes qui ont chaussé des pneus pluie alors qu'il était resté en pneus secs. En 2009, Giancarlo Fisichella, désolé si j'ai mal prononcé, crée la surprise en hissant sa modeste Force India en pole position. Le lendemain, il parvient à suivre la cadence de Räikkönen qui signe la seule victoire de l'année pour Ferrari et termine deuxième de l'épreuve à moins d'une seconde du Finlandais. 2012 est marqué par un carambolage au premier tour impliquant Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sergio Pérez et Romain Grosjean condamnés à une course de suspension et à 50 000 $ d'amende. Ce carambolage prive par ailleurs Fernando Alonso d'un 3e sacre mondial. En 2014, un accrochage au 2e tour implique les deux Mercedes de Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Rosberg crevant la roue arrière droite d'Hamilton. Après la course, une réunion de crise se déroule dans le stand Mercedes et Rosberg admettra à demi-mot qu'il a volontairement accroché Hamilton. Cet épisode est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, à la fin de la saison, Lewis Hamilton est sacré champion et pas Nico Rosberg. L'édition 2018 est marquée par un accident spectaculaire au premier virage lorsque Nico Hülkenberg manque son virage et percute Fernando Alonso. Celui-ci est projeté au-dessus de la monoplace de Charles Leclerc, bien protégé par le HIO, système de protection de la tête. Marqué par l'accident mortel d'Antoine Hubert, survenu la veille durant la course longue de Formule 2, l'édition 2019 voit la première victoire du monégasque Charles Leclerc parti de la pole position. Lors du 19e tour de la course, le public ovationna les coureurs en hommage au pilote français qui courait avec le numéro 19. Et enfin, le Grand Prix 2021 devient le plus court de l'histoire de la Formule 1 pour une course qui n'est en fait pas disputée. En effet, un déluge de pluie retarde le départ de plusieurs heures. The Marshals are playing ball in the gravel trap or petonk. And one of my very good friends is the British number one at petonk and plays for the national team. And it's amazing that... Has he won because he's thrown it further? Well, no, it's whoever throws the ball closest to sort of the jack ball, and I can't quite see that. I think that's... Sorry. We're going to get a zoom in I here. I think confused there you shot see it. Put. No, you see the red... Et elle redouble peu après 18h quand les Formule 1 s'élancent finalement une file indienne derrière la voiture de sécurité.
Celui-ci n'effectue que 3 tours avant que le drapeau rouge soit brandi, soit juste assez pour attribuer la moitié des points. Donc auteur de la pole position, Max Verstappen est le vainqueur avec un classement arrêté comme le veut le règlement dans l'avant-dernière boucle et donc établi sur un seul tour et un peu plus de 3 minutes. Donc maintenant voici les circuits qui ont été utilisés pour les Grands Prix de Belgique. Donc pour commencer nous avons le circuit de Nivelles, ensuite nous avons le circuit de Zolder et enfin nous avons les circuits de Spa-Francorchamps. Donc nous avons évidemment l'ancien de 14 km et après vous avez celui que vous voyez actuellement qui est celui de 7 km. Et ensuite maintenant je vais vous parler des records du circuit de Spa-Francorchamps avec la pole position avec 1 minute 41 secondes et 252 centièmes pour Lewis Hamilton donc en Mercedes en 2020 et avec le meilleur tour en course avec 1 minute 46 secondes et 286 centièmes par Valtteri Bottas donc en Mercedes en 2018. Donc maintenant, je vais vous parler du palmarès des 10 dernières années, donc de 2013 à 2023. Donc en 2013, c'était Sébastien Vettel avec une Red Bull. En 2014, c'était Daniel Ricciardo en Red Bull. Ensuite, en 2015, c'est Lewis Hamilton en Mercedes. En 2016, c'est l'équipier de Lewis Hamilton, donc Nico Rosberg, qui était aussi en Mercedes. En 2017, c'est de nouveau Lewis Hamilton en Mercedes. En 2018, c'est Sébastien Vettel, cette fois-ci en Ferrari. En 2019, c'est Charles Leclerc en Ferrari également. En 2020, c'est Lewis Hamilton avec une Mercedes. Et en 2021, 2022 et 2023, c'est Max Verstappen avec la Red Bull. Donc voici maintenant le classement par nombre de victoires. On va commencer par les pilotes. Donc le classement par succès avec 2 victoires, nous avons Alain Prost en 1983 et en 1987. Nous avons Niki Lauda en 1975 et en 1976. Nous avons ensuite Emerson Fittipaldi en 1972 et en 1974. Et enfin nous avons Alberto Ascari en 1952 et en 1953. Avec 3 victoires, nous avons Max Verstappen en 2021, 2022 et 2023. Nous avons Sébastien Vettel en 2011, 2013 et 2018. Diamond Hill en 1993, 1994 et en 1998 et Juan Manuel Fangio en 1950, 1954 et 1955. Avec 4 victoires, nous avons Lewis Hamilton en 2010, 2015, 2017 et 2020. Nous avons Kimi Raikkonen en 2004, 2005, 2007, 2009. Et enfin, nous avons Jim Clark en 1962, 1963, 1964 et 1965. Ensuite, avec 5 victoires, nous avons Ayrton Senna en 1985, 1988, 1989, 1990 et 1991. Et enfin, avec 6 victoires, nous avons Michael Schumacher en 1992, 1995, 1996, 1997, en 2001 et en 2002. Donc, une petite note, donc Diamond Hill a remporté le Grand Prix de Belgique en 1984 à la suite de la disqualification de Michael Schumacher arrivé premier, mais dont le bonneton fut jugé non conforme au règlement technique après l'arrivée. Donc usure excessive du patin en jabroc sous la voiture. Donc maintenant le bilan par nation. Donc en 9e position, nous avons Monaco avec 2 victoires. En 8e position, nous avons les Pays-Bas avec 3 victoires. En 7e position, nous avons l'Argentine avec 4 victoires. En 6e position, la Finlande avec 5 victoires. En 5e position, le Brésil avec 8 victoires. En 4e position, nous avons la France avec 9 victoires. En 3e position, nous avons l'Italie avec 6,5 victoires. En 2e position, nous avons l'Allemagne avec 13 victoires. Et enfin, en 1ère position, nous avons le Royaume-Uni avec 18,5 victoires. Donc voici maintenant le classement par constructeur. Donc commençons avec le classement par succès. Donc avec 2 victoires, nous avons Bonneton en 1992 et en 1995, nous avons Maserati en 1933 et en 1954, et nous avons Imperia, donc une écurie belge à l'époque, qui a gagné en 1913 et en 1922.
Ensuite, avec 3 victoires, nous avons Bugatti en 1930, 1931 et en 1934. Avec 4 victoires, nous avons Williams en 1981, 1986, 1993 et en 1994. Et nous avons Alfa Romeo en 1925, en 1947, 1950 et en 1951. Avec 6 victoires, nous avons Red Bull en 2011, 2013, 2014, 2021, 2022 et 2023. Avec 8 victoires, nous avons Lotus en 1962, en 1963, 1964, 1965, 1972, 1977, 1978 et en 1985. Avec 14 victoires, nous avons McLaren en 1968, en 1974, en 1982, en 1987, en 1988, en 1989, en 1990, 1991, en 1999, en 2000, 2004, 2005, en 2010 et en 2012. Et enfin, nous avons avec 18 victoires, c'est Ferrari. Qui a gagné en 1952, 53, en 1956, en 1961, en 1966, en 1975, en 1976, en 1979, en 1984, en 1996, en 1997, en 2001, en 2002, 2007, 2008, 2009, 2018 et en 2019. Et voici maintenant le bilan par nation. Donc en 7e position, nous avons l'Irlande et les États-Unis avec une seule victoire. En 6e position, nous avons la Belgique avec 2 victoires. En 5e position, nous avons l'Autriche avec 6 victoires. En 4e position, l'Allemagne avec 16 victoires. En 3e position, nous avons la France avec 8 victoires. En 2e position, l'Italie avec 24 victoires. Et en 1ère position, c'est toujours le Royaume-Uni avec cette fois-ci 32 victoires. Donc c'est la fin de ces vidéos, donc j'espère que vous avez appris sur l'histoire du Grand Prix de Belgique. Donc dites-moi dans les commentaires pour vous qui c'est qui va gagner ce Grand Prix de Belgique 2024. Donc dites-moi dans les commentaires qui c'est qui va gagner ce Grand Prix de Belgique. Donc c'est la fin de ces vidéos, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et ciao à tous.